Et salut à toutes et à tous. Alors oui, je vous fais encore une vidéo type iPhone avec les bandes noires sur les côtés. Alors que bon, j'ai pas d'iPhone, mais ça fait pareil. C'est juste pour vous dire que la vidéo que vous allez voir, en fait, c'est un test. Puisque j'ai acheté la Xbox One X, c'était ça le gros achat que je voulais faire. Et je voulais faire un test de capture 4K, donc je vous ai fait un test sur Forza 7. Vous avez déjà fait une vidéo sur la version PC. Mais comme je l'avais sur le store Windows, je l'ai automatiquement sur la One X. Et donc du coup je le refais sur la One X. Alors les captures là sont pas faites au volant, puisque mon volant malheureusement est compatible que PS4 PC et pas compatible avec la Xbox. Donc c'est des captures faites à la manette, mais franchement je prends beaucoup de plaisir aussi à y rejouer à la manette. J'ai désactivé quasiment toutes les aides au pilotage. L'IA est réglée sur très doué, ce qui n'est pas mon cas à moi, je ne suis pas très doué moi. Alors ne cherchez pas une performance, venez pas me dire ouais tu conduis n'importe comment, tu fais n'importe quoi, c'est juste des petits extraits qui sont faits comme ça, pour voir éventuellement ce que donne le rendu avec la capture 4K sur YouTube. Et parce que je prévois un petit let's play sur la One X déjà, je pense que je vais vous capturer comme ça parce que le jeu est en 4K. Et puis très bientôt je vous ferai une vidéo setup parce que j'ai jamais fait ça. Mais je suis en train de modifier un petit peu, là je vais changer la télé bientôt, j'ai acheté la One X, j'ai racheté un système sonore et tout. Donc quand j'aurai fini de faire tout ça, je vous ferai une vidéo setup, histoire de vous présenter le matériel que j'ai et comment je capture, comment j'enregistre mes vidéos et tout, comment je les monte, machin, avec quel logiciel, quel matos exactement, parce que je l'ai jamais fait ça, et je pense que ça peut être intéressant. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, et salut à toutes et à tous. Oh,